Because you too, you're the true bitch. Vu passer un jeune homme. Un jeune homme. Je crois bien qu'il est parti par là. Bien, nous le tenons. Ou alors, par là. Dis donc, tonton, tu te foutrais pas un peu de notre gueule? NDR. Allons, je vous en prie, messieurs. Je ne sais plus très bien. Il y avait deux hommes dans un avion. Il y avait Dupont. Nous partons immédiatement. Par exemple, mais c'est nulle. Dupont, et que faites-vous ici? Cher ami, les bandits que vous aviez arrêtés semblent s'être échappés. Je dirais même plus, ils se sont échappés, cher ami. Et nous avons toutes les raisons de croire que le dénommé c'est un tard et son acolyte était dans le train. Ah oui, vraiment. Mon chapeau! Les canailles, les misérables, des chapeaux presque neufs. Ne perdons pas de temps, il y a un autre appareil. Ah oui, vraiment. Mettez le moteur en marche, nous vous réquisitionnons ainsi que votre véhicule. Ah oui, vraiment. Je viens de vous le dire, quelqu'un m'a assommé et m'a... Cliquez! Ouais. Dupont? Mais c'est lui! Je le reconnais! Main en l'air, Tintin! Mais je... Oh, oh putain, t'as vu ça? J'ai trouvé un code! C'est une odieuse machination! Mon cul! Moi? Quoi, marrant, putain de merde à la con, bordel? Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant? Dis-le-moi! Allô? L'hôpital psychiatrique? C'est le docteur Müller à l'appareil. Je vais vous faire amener un jeune garçon. Un sujet très dangereux. Oui, comme d'habitude. Ah, il a l'air très lucide, mais... Il faudra lui faire suivre le traitement spécial. Voilà. Et voilà.
frapper. Non, arrêtez! Mais de quelle île parlez-vous? Ah, laissez tomber. On l'appelle l'île Noire. C'est consternant. Il a bien le droit de savoir. Pourquoi n'a-t-on pas fait de recherche là-bas? Ah, on voit bien que vous n'êtes pas du pays, jeune homme. L'île Noire est une île hantée. Une île hantée? Oui. Une île hantée? Oui. Par un monstre qui vit dans les ruines du château de Benmore. Un monstre si horrible que personne n'en est jamais revenu. Quelquefois, le soir, quand le vent vient du large, on l'entend qui fait un bruit de tonnerre dans la nuit noire. Écoutez, jugez enfin vous-même, mon garçon. Cortex 91, les pyramides.